Rien n'est trop beau pour ses petits-enfants. À l'affiche du téléfilm Meurtre à Belle-Île, diffusé ce jeudi 18 mai sur France 3, Charlotte de Turckheim a décroché son plus beau rôle en devenant mamie. Elle est l'heureuse grand-mère de Marcel et Anita, les enfants de Clara, mais aussi de Abel, le fils de Julia. Si elle est une vraie maman louve pour ses trois filles, la comédienne de 68 ans l'est tout autant envers ses trois petits chérubins voire plus. Et si est-il pire avec mes trois petits-enfants, a-t-elle confié avec humour dans les colonnes d'Ici Paris, le 28 septembre 2022. Et d'ajouter avec tendresse, je suis complètement gâteuse avec eux. En effet, la compagne de Zaman Hachemi ne sait pas quoi faire pour leur faire plaisir. Lorsqu'elle s'offre des moments privilégiés avec ses petits-enfants, Charlotte de Turckheim est un peu trop permissive avec eux. Pour appuyer ses propos, celle qui a été amoureuse de Coluche a dévoilé une amusante anecdote. Récemment, mon petit-fils a dit à son père qu'aller au cinéma avec moi, c'était catastrophique car je dis oui à tout, les bonbons, les boissons, les glaces. Normal, Charlotte de Turckheim est totalement gaga de ses petits-enfants. Charlotte de Turckheim, une grand-mère hyper active avec ses petits-enfants dans son havre de paix situé dans le village des Galières, où elle a passé son enfance, Charlotte de Turckheim se plaît à y réunir sa tribu et à organiser des vacances de rêve à ses trois petits-enfants. Je leur ai organisé une colo, avec escalade, kayak et stage de poney. J'avais engagé un moniteur et une nounou. Ou alors je les emmène dormir à la Belle Étoile dans les Alpilles, a-t-elle raconté dans les colonnes d'un numéro de gala, paru le 24 octobre 2019. De plus, la pétillante sexagénaire et ses trois petits-enfants vont chercher les œufs au poulailler, cueillir les framboises ou s'amuser avec les courses d'escargots. Mais en bonne passionnée de son métier, Charlotte de Turckheim sait également jouer de ses talents pour faire hurler de rire ses petits bouts de chou. Ils adorent quand j'imite la grosse poule Monique ou le petit asticot qui en a une trouille bleue. Cela ne fait aucun doute, Charlotte de Turckheim une grand-mère rêvée. Crédit photo, agence panoramique.